Alors, je suis saisonnière depuis plus de 10 ans. J'ai toujours aimé travailler dehors, donc c'est venu hyper naturellement. Le fait de, voilà, de travailler dans la nature et d'avoir un impact positif sur la biodiversité, ça a vraiment du sens et je crois que je pourrais plus faire un métier qui n'a pas de sens. La liberté que ça procure de travailler dans la nature. Ça peut paraître difficile de travailler au rythme des saisons, mais ça procure une grande liberté et on n'a personne sur le dos. C'est aussi très plaisant. Tu veux dire des gamelles dans la vase? Ça arrive. Ouais, oh bah oui, oui. Quand on est un peu fatigué, il faut regarder où on met les pieds. Si on marche dans la vase, on se retrouve vite les fesses dedans. Et ça arrive la première année, ça arrive la 15e année, tout pareil. Donc à cette saison, je nettoie le marais. J'enlève la vase des bassins, les algues, et on le prépare pour la production. Avec ou sans enfants, j'hésite. Non, un week-end en famille, un pique-nique dans le bois des Élous, et puis voilà, une plage tranquille au printemps, tout simplement. Ouais. Donc, il y a Louis Boutolo qui est à côté, c'est le plus ancien saunier de l'île, il a quasiment 90 ans et c'est impressionnant parce que je ne sais pas si à son âge je serai encore dans le marais. Parce que c'est calme et je suis quelqu'un de calme. On a vraiment amélioré ce marais. Ça fait plus de 10 ans que je suis là, donc je m'y sens bien chez moi. Bah de m'être professionnalisée, d'avoir passé le cap où le marais c'était plus un complément d'activité. Là, j'ai passé le pas d'être chef d'exploitation, donc ça j'en suis fière. Et puis de faire partie de la COP de Noirmoutier parce que je trouve qu'elle a des super valeurs et j'y crois. Mais bien sûr, c'est cool. Croyez en vous, on est les plus fortes. On peut tout faire en tant que femme si on le veut. Faut aimer un petit peu le travail physique quoi. Mais ça se fait sans problème.